Ah oui, j'avais oublié. Avant de commencer la vidéo, active les notifications de ma chaîne pour être au courant de toutes mes vidéos. Comme ceci. Allez, bonne vidéo! C'est Torelès, comment allez-vous mes petits taureaux? Moi je vais très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto, donc voilà, donc un petit tuto, donc deuxième tuto ce soir, oui parce que je voulais faire deux tutos d'affilée, comme parce que j'ai oublié de vous dire les amis, enfin je crois que je vous l'ai déjà dit mais je vais vous le redire et répéter. Pendant un mois et demi, donc un mois et 15 jours, je ne pourrai pas faire de live, problèmes familiaux, etc. Donc je vous remercie à d'avance pour ceux qui toi sont s'en foutront, voilà, tout sont clairement, mais je suis désolée, voilà. Donc par contre aujourd'hui on se retrouve pour un dernier tuto, donc le dernier tuto sur ma chaîne YouTube avant, après un mois et 15 jours, parce que je pourrais faire ni live et ni vidéo, donc voilà. Et du coup bah, profitez bien de ce tuto les amis hein. Donc alors ce tuto c'est un jeu d'enfance, enfin un jeu d'enfance, oui, que certains ont connu comme d'autres. Ce jeu s'appelle les Sims 1. Donc c'est un tuto comment avoir les Sims 1 gratuitement. Mais quand je dis gratuitement, c'est gratuitement et sans uTorrent, avec un lien Mediafire et très rapidement et facilement. Voilà. Donc alors tout d'abord, vous devez alors vous rendre sur ce lien Mediafire que moi-même ai créé. Donc voilà, regardez, TorrentLess, voilà. Que moi-même ai créé, du coup, que j'ai mis en description, comme ça vous pouvez le télécharger. Vous allez faire download. Vous allez attendre le téléchargement de à peu près 2 minutes, 4 minutes. Donc attendez, moi j'annule parce que vu que je l'ai déjà installé. Voilà. Et du coup, après, vous quittez ceci parce que vous n'aurez plus besoin. Enfin, non. D'abord, vous le mettrez sur votre bureau. Donc là, comme ceci, là, vous voyez, celui-là. Vous faites extrait. Attendez, pardon. Qu'est-ce que. Oh, faut n'importe quoi. Vous faites extrait ici et voilà. Vous attendez l'extraction qui est rapide normalement. Après ça, je m'en fous complètement de ce fichier point rare. Donc allez. Et ensuite, ceci fait, et ben, vous allez vous rendre sur le dossier qui s'affichera. S'affichera, ouais, ça. Il y aura écrit The Sims 1 parce que j'ai pris ce 1 en fait. C'est moi qui ai créé le lien Mediafire, mais je l'ai pris de quelqu'un d'autre. Du coup, d'un youtubeur anglais. Je ne sais plus sa chaîne, mais en tout cas, je me suis inspirée de sa vidéo pour vous le faire en français. Et donc, du coup, voilà. Pour les Français. Et donc, une fois que vous avez votre dossier, bah, moi je l'ai renommé Les Sims 1. Donc, faites-le si vous voulez. Alors le jeu, je sais pas, je crois qu'il est en anglais, mais moi en fait avant, vu qu'il y avait déjà installé les Sims 1 sur mon ordi, et ben il est en français parce que en gros avant je l'avais, mais j'ai perdu tout, j'ai cassé et tout, et du coup bah ils ont gardé quand même mes données en fait, donc même le crack a donné, a gardé mes données de jeu, et du coup voilà, enfin données français quoi, ils m'ont mis français le jeu, quoi, tout simplement. Donc j'espère que pour vous aussi ce sera français, ou voilà, bah ce sera bien comme ça. Mais je crois qu'il est en anglais. Donc tout simple, vous ouvriez le petit dossier. Et donc ça va être très simple les amis, très 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 simple. Bon, je pense que ça va faire bugger mon ordi parce que du coup je dois lancer le jeu. Vous devez lancer l'application, faire, voilà. Ouais, exécutez-moi pour moi, j'ai fait exécuter parce qu'il y a un truc qui s'affiche. Et là ils vont dire, un moment, attendez, attendez, attendez. Ils vont vous le dire, voilà, à un moment il y aura écrit, il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérez un disque dans le lecteur device, hard disk 1, DR1. Donc là vous allez vous dire, mais tu dis de la merde, c'est pas possible, ça ne marche pas. Non les amis, vous allez faire continuer, 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 jusqu'à un moment où voilà votre écran va friser, ou non pas, ouais à peu près, et l'application va se lancer. Donc j'espère que vous voyez. Parce que je sais pas si mon capture de vidéo, ma capture de vidéo est très performant pour lancer des applications comme ça. Du coup, j'espère que vous voyez. Voililà, Maxis est une filiale d'Electronic Arts INC. Mais vous, pour vous, normalement, il y aurait écrit Maxis is, je sais pas quoi, en anglais. Attendez, les amis. Du coup, voilà, on va passer. Donc, vous voyez, là, les Sims 1 sont gratuits. Oui, les amis. Ce n'est pas du troll. Oh, pardon, c'est moi qui ai fait la touche Windows. J'avais oublié.
Attendez, oula. Et du coup, ensuite, bah, moi je vais attendez, je vais baisser le son et je vais vous montrer un peu. Voilà. Et du coup, les amis, aussi dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous voulez que je fasse un vidéo détente ou let's play sur les Sims 1, parce que ça me plaît, les Sims. C'est un jeu qui me plaît, oui, du 1 jusqu'au 4. Du coup, voilà, donc c'est très simple, vous avez juste à le mettre en commentaire. Attendez, je regarde le nombre de minutes. Ok. Alors, 7,5 dB. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, 5 minutes. Donc, attendez, les amis, par contre, je sais pas si. De toute façon, je regarderai un montage. Est-ce que si. Vous voyez, quand je lance les Sims. Bon, c'est pas grave. Puis, je vais regarder en montage. Donc, alors, voilà. Donc, vous voyez, alors je marche. Bon, là j'ai baissé le son, c'est normal. Donc, vous voyez, moi j'ai sélectionné ou créé une famille, expulsé ou rasé ou quitté. Et du coup, vous voyez, vous avez des familles dès le début. Et vous avez des familles riches, dès le début, qui n'ont une maison, mais qui n'ont pas rien dedans. Donc, ça, je sais plus si c'est des familles créées en fait à partir de justement, justement depuis la copie du jeu dans l'anglais qu'a fait la vidéo, justement. Ou que voilà ou que ça n'a pas été rajouté, c'est là depuis le début. Dites-moi aussi en commentaire si vous le savez. Et du coup, bah voilà, vous êtes sur les Sims 1, quoi, tout simplement. Donc moi j'avais déjà créé une famille, voilà. C'est la famille Signe, parce que voilà, j'aime bien, c'est un nom de famille que j'ai mis comme ça. Donc voilà, Théo Signe, et j'avais déjà joué. J'étais très contente de récupérer ce jeu qui a fait mémoriser des choses très super bien. Dans ma mémoire. Et du coup, vraiment, malheureusement, les amis, pour l'instant, je n'ai pas encore de. Comment dire? Je n'ai pas encore de. De crack de. Justement, d'add-on des Sims 1. Donc, je vous tiens au courant dès que j'aurai des cracks d'add-on des Sims 1. En général, les cracks que je trouve, c'est sur des trucs anglais. Je sais que je comprends pas l'anglais. Mais en général, que. En fait, bah, je regarde ce qu'ils font, etc. En gros, voilà. Du coup. C'est un peu facile, on va dire. Par exemple, il va sur Mediafire, je vais sur Mediafire, etc. Donc voilà, en fait, juste à suivre ce que fait l'anglais. Enfin bref, du coup, c'était petite chose à dire. Mais donc là, je vais jouer un petit peu. Comme ça, en même temps, ça fait gameplay, je pourrais vous parler en même temps. Donc du coup, bah, pour vous dire encore une fois, désolé, alors parce que les lives ne se feront pas pendant un mois et 15 jours, puis les vidéos aussi. Et du coup, je suis désolée déjà pour ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis avec mon pote. Comment il s'appelle Jean-Claude. Non, je rigole. Comment il s'appelle, j'avoue? J'ai même pas regardé. Comment il s'appelle? Attendez, je regarde dans mes habits. Comment il s'appelle Jean-Claude? Tu t'appelles comment? Moi, je l'appelle Jean-Claude. Alors, il s'appelle rien du tout. Je l'ai pas dans mes amis. C'est qui lui? Bah, je l'ai pas dans mes amis. D'où tu veux que je traîne avec quelqu'un? J'ai pas dans mes amis. Ok. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, je sais même pas pourquoi je me retrouve avec lui, alors je sais même pas c'est qui. C'est pas grave. Alors, vous savez quoi? On va prendre une assiette parce qu'on a la dalle. On va bouffer avec la nouvelle table que je viens de m'acheter. Waouh! Super table. Du coup, si, voilà, désolé pour les lives, pour les vidéos, etc. Donc, voilà, c'est vraiment un problème familial, donc je peux pas, c'est pour ça. Et j'espère que les amis, vous allez bien quand même aussi. Hein, voilà. N'oubliez pas, voilà, le petit comme qui fait plaise, hein, comme d'habitude, parce que vous n'êtes pas obligé de dire que oh, Mehdi, tu veux jouer au Sims 1, ok, bah fais un tuto, non, fais une vidéo détente dessus et tout. Vous pouvez vous dire ce que vous pensez de mes vidéos, etc. Et du coup, aussi de cette vidéo, si ce tuto vous aide, etc. Bon, désolé pour l'instant, comme je vous l'ai dit, encore une fois, pas pour les lives ni les vidéos, c'est cette fois-ci pour les add-ons du jeu. Je n'ai pas trouvé encore de crack pour l'add-on du jeu, mais je suis en train d'en chercher parce que moi-même j'ai envie de trouver les add-ons gratuits. Et du coup, voilà. Pourquoi je fais ça? Bon, je sais pas, je voulais faire un petit truc pendant ce temps-là. Énergie, confort, distraction. Distraction. Oh, pourquoi l'espace? Ah oui, je sais pas, il y a beaucoup d'espace ça. Toi t'es cage, en fait je veux pas être ton pote. Vous savez quoi? Il me casse les bonbons. Alors toi, tu te casses? Demandez le départ. Alors le truc que je fais le plus souvent dans les Sims, parce que j'aime pas trop me faire d'amis. MDR. Non, je rigole, je fais pas tout le temps ça. Mais en général, quand il s'agit de pécho de la meuf, je le fais pas. En général. Ah, c'est ça qui prend de la place. Recycler. Recycler. Donc là, il y a un nouveau journal. Du coup, je vais, je sais pas où m'apporter, rechercher un emploi. Ah si, quoique.
Non, non. Je garde ça pour avenir. En cas où, si vous voulez que je fasse une vidéo détente ou un let's play dessus. Donc, je garde ça pour avenir. Je vais pas faire ça. Du coup, je vais pas faire ça du tout, même. Je vais pas faire ça du tout. Bah oui, je vais pas vous le dire, quoi. Sinon, ce sera du spoil. Du spoil, ouais. Du spoil, Mehdi. Donc, le mec, il s'appelle Michael Roman. Il fallait qu'il se casse pour savoir son prénom, mais lol. Ton film d'action, regarde la télé. Quoique, ouais, non, c'est bon. Et du coup, voilà, la vidéo dure plus longtemps que prévu, parce que je voulais faire au moins une vidéo longue, quand même. Comme ça, en même temps, le tuto, je vous fais un petit... Ouais, on va dire c'est une vidéo détente aussi, hein. Mais quand je vous demande des vidéos détente ou let's play, c'est... vous choisissez si vous voulez que je fasse encore une vidéo détente ou un let's play, voilà, comme ça, je fais entièrement un peu ma vie. Donc, je vous montre, voilà, qui va être avec qui, avoir des enfants, etc. Et du coup, même à venir, si je fais un tuto sur comment avoir les add-ons de Sims 1, et ben en même temps, je rajouterai justement les add-ons en question. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, j'ai aussi. Par contre, j'ai gardé juste les add-ons des Sims 1. Je les ai sur moi, en gros, j'ai CD, mais pas tout. J'ai pas tous les add-ons. Toutes les add-ons des Sims 1. Mais le problème, c'est quand j'ai essayé, ils ont dit je trouve pas les Sims 1. Donc en fait, ils comptent pas le crack comme un vrai jeu. Donc du coup, voilà. Ils comptent pas le crack comme le vrai, les Sims 1. Du coup, ça ne marche pas. Et bientôt, je vais m'acheter les Sims 1 de l'exédition pour avoir le vrai jeu. Donc, du coup, ça ne... Enfin, je me le suis acheté. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour l'instant. Oui, voilà. Alors, parce que en gros, il faut enlever une mise à jour. Mais je n'arrive pas à faire ça. Ça me saoule. Voilà, me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Désolée, vous criez dans les oreilles. Cela me saoule. Et du coup, voilà, donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai le vrai jeu. Parce qu'en gros, comme ça, au moins, je ferai pas le crack. Je ferai pas de let's play ou de vidéo détente sur le crack, mais je ferai sur le Deluxe Edition. Comme ça, je pourrai rajouter mes autres add-ons. Donc, le Deluxe Edition, pour ceux qui ne savent pas, comporte les Sims 1. Et les Sims 1, ça vous change la vie. Ouais. Alors, du coup... Et on regarde quoi? Je sais pas, en même temps, on parlait... Je sais pas, j'arrive pas à jouer en parlant. Bon, ça dépend. Alors, toi, tu vas pisser, hein. Tu vas nettoyer, parce que tu pisses avant de nettoyer sur ces murs. Quoi. Voilà, il va nettoyer, après, il va encore se laver. Non, disons que tu peux te les laver après avoir nettoyé, pisser, quoi. On s'en blague. Énergie, wow. Non, ça descend vite. C'est les bonnes retrouvailles, tout ça. C'est les bonnes retrouvailles, oui. Bah, c'est les bonnes trouvailles. Retrouvailles, oui. Bonne trouvaille, ça veut rien dire. Ouais, retrouvaille. Du coup. Mon pote, il va tomber dans les pommes, tu vas rien comprendre. Alors, voilà. Donc, les amis, je pense qu'on va se quitter après qu'il sera allé se coucher. Comme ça, bah, ça dure pas trop longtemps non plus. Mais je voulais au moins faire un petit gameplay en même temps. Voilà, parce que j'adore faire des gameplays des fois dans mes tutos. C'est comme sur Mip City Roblox. Hein. J'ai fait en même temps un truc de ouf, quoi. On a fait un gameplay. Wow, encore sur Roblox. Voilà, parce que j'aime bien faire des gameplays pour mes abonnés. Voilà. Du coup, ouais, n'oubliez pas de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. De mettre un like à cette vidéo. Et puis, de activer la cloche parce que, voilà, activer les notifications vu que YouTube, voilà, des bugs YouTube se fait en ce moment. Du coup, là, on va aller se coucher. Et bon, moi, je vous dis ciao tout le monde, c'était Toro. Et laisse. Attendez, je vais le faire vite. Hein. Bye bye. Bye bye, mes petits taureaux. Voilà. Bye bye. Attendez. Bye bye. Bye bye. Désolée, parce que j'arrive pas à quitter le jeu. Bon, allez, bye bye. Bye bye à tous.